les enquêteurs gendarmes de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, en accord avec le procureur de la République près de pôle pénal économique et financier, et sous sa supervision, ont réalisé des enquêtes de flagrance et ont conduit à l'interpellation de 17 personnes, dont 13 en situation de flagrant délit, dans divers secteurs. Nous procéderons par la présentation des cas les plus récents aux plus anciens. En relation avec l'actualité, la Haute Autorité a procédé à l'interpellation de 6 agents publics de la Direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation, DRENA, de Yamoussoukro. Les enquêteurs au niveau de la Direction régionale de l'éducation nationale de Yamoussoukro ayant abouti à l'interpellation de 6 agents publics de la dite direction, dont 2 en situation de flagrant délit. En effet, sur la base d'une dénonciation anonyme faisant état des pratiques de corruption au service des examens et concours de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, DRENA de Yamoussoukro, les enquêteurs de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance s'y sont rendus après en avoir informé le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. Les investigations menées ont permis de constater que les faits dénoncés étaient avérés en ce que les agents publics exigeaient des candidats la somme de 5 000 francs CFA pour le dépôt de leur dossier de candidature, en violation des dispositions légales en vigueur. À l'issue de cette consultation, les enquêteurs de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ont aussitôt procédé à l'interpellation de 2 agents publics de la DRENA pris en situation de flagrant délit de corruption. Les interpellés ont été gardés à vue, auditionnés, puis déférés le mardi 14 mars 2023 devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, suivant le procès verbal numéro 002 du 10 mars 2023 de la Direction de l'Investigation et des Poursuites de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Le mardi 10 janvier 2023, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a procédé à l'interpellation de 3 agents publics intervenant dans la procédure d'immatriculation des engins à deux roues en situation de flagrant délit de corruption au niveau du centre de gestion intégré d'Abobo. Les mis en cause pris sur les faits ont été gardés à vue, auditionnés puis déférés le vendredi 13 janvier 2023 devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, suivant le procès verbal numéro 001 du 10-1 janvier 2023 de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Mercredi 2 novembre 2022, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a procédé à l'interpellation de l'adjoint au chef de la station de contrôle technique de véhicules automobiles, SICTA, d'engrais en situation de flagrant délit de corruption dans le cadre des visites techniques des véhicules. L'interpellé, pris sur les faits, a été gardé à vue, auditionné puis déféré le 4 novembre 2022 devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, suivant le procès verbal numéro 007 du 7 novembre 2022 de la Direction de l'Investigation et des Poursuites de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 2022, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a procédé à l'interception dans la commune d'Abobo de 2 camions en provenance de la frontière est de Niablé, transportant des téléphones portables objets de fausses déclarations douanières. Par décision en date du 14 octobre 2022, le président de la HABG a ordonné à titre conservatoire le gel des dites marchandises et la saisie des documents de douane y afférents. La procédure a été transmise au parquet près le pôle pénal économique et financier pour poursuite judiciaire. Le traitement de ce dossier est en instance judiciaire et nous vous reviendrons avec de plus amples détails quand cela sera possible. Jeudi 6 octobre 2022, le présumé propriétaire des véhicules interceptés dans la commune d'Abobo s'étant présenté dans les locaux de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance pour proposer une somme d'argent aux enquêteurs en vue de suspendre l'enquête en cours, a été aussitôt interpellé pour délit de corruption. À la suite de son audition, il a été déféré au parquet du pôle pénal économique et financier
mardi 11 octobre 2022, suivant le procès verbal numéro 004 du 6-10-2022 de la direction des poursuites de l'investigation et des poursuites de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Lundi 3 octobre 2022, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a procédé à l'interpellation de deux agents publics du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pris en flagrant délit d'acte de corruption dans le cadre de la délivrance des extraits d'actes de naissance au niveau de la mairie de Yopougon. Les interpellés ont été gardés à vue, auditionnés puis déférés mercredi 5-10-2022 devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, suivant le procès verbal numéro 003 du 3-10-2022 de la direction de l'investigation et des poursuites de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Mardi 13 septembre 2022, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a procédé à l'interpellation d'un agent public, chef d'antenne au niveau du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en situation de flagrant délit d'acte de corruption dans le cadre de la délivrance des permis de construire. En violation de la législation en vigueur, le mis en cause prenait de l'argent avec les personnes ne disposant pas de permis de construire en vue de les autoriser à poursuivre les travaux de construction. Pris sur les faits, le mis en cause a été gardé à vue, auditionné, puis déféré le vendredi 16-9 septembre 2022 devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, suivant le procès verbal numéro 002 du 13 septembre 2022 de la direction de l'investigation et des poursuites de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Lundi 11 juillet 2022, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a procédé à l'interpellation de trois individus en situation de flagrant délit d'actes de corruption dans le cadre de l'établissement des certificats de nationalité et de casier judiciaire. Ces individus, se présentant comme des démarcheurs, sollicitaient de l'argent auprès des usagers du service public en vue d'intervenir auprès des agents publics en service au palais de justice d'Abidjan Plateau pour l'établissement des documents administratifs susmentionnés. À la suite de leur interpellation, aux abords du palais de justice d'Abidjan, ils ont été gardés à vue, auditionnés, puis déférés au parquet près le pôle pénal économique et financier, suivant le procès verbal numéro 001 du 13 juillet 2022 de la direction de l'investigation et des poursuites de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Au titre des plaintes et dénonciations traitées par le Conseil de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a reçu au total 738 requêtes constituées de plaintes et dénonciations. L'ensemble de ces requêtes a été traité par le Conseil de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Sur la période susmentionnée, 70 dossiers ont fait l'objet d'ouvertures d'enquêtes décidées par le Conseil de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Au total, 16 procès-verbaux d'enquête ont été déjà transmis par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance au procureur de la République pour suite judiciaire. Mesdames et messieurs les journalistes, le présent point de presse est aussi une opportunité pour rappeler que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a en son sein un système intégré de traitement des plaintes et des dénonciations qui lui permet de traiter les dossiers et les soumettre au pôle pénal économique et financier pour la partie judiciaire. Dans ce sens, elle dispose d'une direction d'investigation et des poursuites dont les membres en charge des investigations disposent des mêmes prérogatives et moyens d'investigation que les officiers de police judiciaire et les agents des administrations douanières et fiscales, conformément aux dispositions légales en vigueur. Mesdames et messieurs les journalistes, telle est l'économie des résultats des enquêtes de flagrance et du point relatif au traitement des plaintes et dénonciations par le Conseil de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance.